设计，烧烟。Non mais c'est rien, ok. Reprise. Le match a démarré là. Ok, premier match du tournoi. On a Kenono. Je vais corriger ça. On a Kenono contre Bendes. Voilà. Allez, il y a un round partout. Allez, ça lance son... Oh oui, le smash splash. Oh, ça pique, mais ça passe pas. C'est pas trop puni. Allez, Barcelona shop. Ça se regarde. Oh oui, oh la phase. Oh, magnifique, magnifique. Victoire de Kenono. Génial. When is Marvel? Allez, début du deuxième match. Allez, Bendes, il peut le faire, hein. C'est un match-up qu'il connaît bien. Allez, voilà. Faut lancer le loop, non? Allez, le saut gros point qui casse les doskoy. Oh là, oh, ça chope. Et on lance le loop. C'est bien stoppé. Allez, il aurait dû tenter un truc là. Ouais, bien vu, bien vu. Ça c'est propre ça. Allez, second round. Il saute d'entrée hein. Ici on est là sur Honda, c'est pas vraiment une bonne idée mais bon. Voilà, Doskoy, faut pas cesser tout ce qui. Ça pipe et c'est puni avec des bons dégâts de grattage et tout, c'est propre. Le Doskoy qui crase l'écran. Oh là, super bien trouvé. Allez, partout donné là pour revenir, ça va être dur. Voilà, c'est dur. Allez, un partout. Un partout les mecs. Voilà. And shout out to the ST community in England or USA. Shout out. Barcelona la loupe, ça rentre bien dedans. Ah oui, c'est bien sorti. Il devrait tenter de sauter là quand il arrive à le choper parce que c'est. Il n'a pas souvent l'occasion. Et la super qui prend le saut gros pied en l'air là. Aïe aïe aïe. Bendes qui a une balle de match là. Allez, faut qu'il la prenne. Quelque Honda, ça va vite hein. Allez, c'est bien. Là il est en bonne position, voilà. 50% de barre quasiment, allez. Bien vu, ça fait des bons dégâts de grattage. Une bizarrerie là un peu. Ah oui, bien vu. Il a fait un peu trop haut le saut splash là. Oh, oh le saut gros pied. Le stand gros pied là. En entière. C'est pas fini, c'est pas... Ah oui, c'est fini. Ok, c'est fini. Bon, victoire de Bendes. 2 à 1. Bien joué Bendes. Ah, c'est à qui là? On va lancer un deuxième match. Alors, le prochain match sera
Contre qui? Contre qui? Contre qui? Il faut toujours avoir les deux joueurs d'avance qu'on a souvent, hein. Ouais. Attendez, bougez pas, je vais voir le nom du collègue là en face. Bougez pas, bougez pas. Ah, c'est Mitsu du coup. Ok. Donc changement de plan. On a un Mitsu contre Zargat. Le match de toute une vie. Mitsu va perdre, hein, on se... Hein? Ok. Il veut des conseils, moi je commande, ça va être chaud. Ok, il fait des boules. Tu dois faire des boules. Il fait des dragons. Voilà, exactement. Le dragon bien joué. Ça, ça punit, ça. Punit pas par une balayette, punit par un truc mieux. Sous MP, souviens-toi. Sous MP, ouais. Voilà, bien dragon. La suite. Oh, ok. Si tu fais des trucs comme ça aussi, moi je peux pas te sauver. Ok, ok. Allez, Mitsu, allez. Tue-le comme ça c'est fait. Oh là là, la boule était à une distance étrange. Zargat, il a des bons anti-air, faut faire attention. Ah, mais un bon stun gros point, là. Qu'est-ce qu'il est, ça? Ah là là, dans le coin, ouais, c'est ça plus. Faut pas bouger, tu peux bouger, tu peux bouger. Mitsu qui fait des erreurs d'exé là. Allez. Il a commencé à cramer un peu que ça piffait là. Voilà, bien joué quand même. Il se laisse pas faire, hein. Putain, mais les deux côtés, c'est génial. Aïe aïe aïe. Voilà, pas un gros point. Elle a super qui passe à travers, c'est bien vu ça. 1-0 pour Zargat. Mais j'ai confiance en Mitsu, il va se le faire. Il va se le faire. Ouais. En fait, par gros point, c'est bien. Allez, début du deuxième match. On fait des BMK. Là, il est dans le coin direct, c'est galère un peu. Voilà, bien vu le stun. Ah, dans le coin, c'est toujours difficile contre Chun-Li parce qu'elle peut facilement vous choper. Et là, la super, et voilà. C'est réglé, voilà. C'est la partition et c'est mis par planché. Et c'est fini. Allez, ça essaie de se zoner là un peu. On cherche ses distances. Zargat, mais Chun-Li met dans le coin super facilement, hein. C'est... Allez, voilà, c'est dommage, c'était bien vu. Allez, on rentre dedans, Ah, dommage. Dragon. Oh, bien vu, C'est un MP super, hein. Ça, il peut le faire, croyez-moi. Il peut le faire, en combo. C'est ça. Allez, victoire de Zargat, bien joué. Max, contre Fighter, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2-0 pour Zargat. Vous avez la feuille, là? Ouais. C'est Fighter contre Max Hunter. Fighter, il s'appelle? Ouais. Okay. Donc on a Max 31 contre Fighter. Max, tu te mets là? Ouais. Ok. Ah ouais, il faut un match sur 3-3. Ok, on va peut-être lancer un autre match du coup finalement. Il y a Speed parce que... Full Exclusion, ok. Non. Tout le monde en match. Un Neo Boss, s'il te plaît. Un Neo Boss, c'est bien. Pour 2x, non. Non.
déjà rentrer dedans. Ok, Neoboss. Neoboss contre Combo Fate. Non, pardon, Combo Fate à gauche. Et Neoboss à droite. Pourquoi c'est ce que tu penses? Ouais, bah attends, du coup, il y a le Mike Zero aussi. Ah putain, j'ai pas lancé le... Le local record, il est marché là. Il marche. Le local record, il est... En fait, je sais pas comment ça marche. C'est parti les gars, vous pouvez faire votre match. Combo Fate Neoboss. Ouais. Allez, on part sur un Combo Fate contre Neoboss. Ah là là, faut que j'enlève le score. Allez. Et c'est parti, début du match. Ouais. Allez, c'est parti. Le live punch entière là, c'est bien stylé ça. Allez, il retombe sur une boule, c'est dommage. Oulala, c'est bizarre là. Ok, le Toyous kick. Bien vu ça. Oh oui. Allez, le Tatsu qui est bien trouvé. Ouais, ouais, enfin. Il a voulu faire Tatsu en multi, mais c'est pas passé, du coup il a pris une chop, hein. Classique. Ah oh, oui, génial. Il a décalé un peu après le comment? Le Lariat, là, qui fait bien peur. Il s'est décalé, il a chopé. Là, sa zone. Ah oh, oui, génial. La Sten HK pour mettre le 3-6 derrière. Permet de buffer, en fait. Voilà, c'est bien privé. On punit les pifs ici. On se laisse pas faire. Hein. Allez, 1-0. Et je rentre ça. Un 0 pour Combo Fate. Ah, ça... Ah, c'est bien vu, ça. Allez, oh, deux mains vertes de suite. Allez, attention, attention, attention. Voilà, la belle qui vient trouver. Et 3-6, ah, c'est loupé. 3-6, voilà. Il a annulé la boule pour mettre 3-6 derrière en dans le recovery. Allez, bat de match. Ah, c'était couillu. On devrait faire un peu de lariat, voilà, pour passer à travers les boules, là. Voilà, comme ça. Oh oui. Balayette. Il va rechoper. Non. Ça lui a fait une main verte à l'alpas. Dommage. Allez, allez. Bien vu la super, là, en tir. Oh oui, il a bourré un lariat et c'est passé. Bien joué. La victoire de Combo Fate, hein. Oui. On m'appelle. Et c'est reparti. Le pire commentateur de l'univers revient pour vous. Ici Three Dog, la sur Galaxy News Radio, la radio de libre, étant désolé pour vous. Donc, hop là. Et voilà, t'as compris dans ça. Ouais, Max 31. Là, tu mets Max 31. Max 31 contre Fighter. Et c'est parti. Un Max 31 qui arrive, qui attaque fort. Le Zangief qui est... Il n'y a personne en face. Il le chiche et l'attaque. Oh, un mystère bien. Eh oui, c'est moi. On veut les combos vidéo. Voilà. Ben voilà. Oh. Oh. Et voilà. Et voilà. Du coup, c'était pas reparti. Mais maintenant, c'est parti.
maintenant. Une fighter qui nous joue un dictateur d'une couleur zombifiante. Pareil, un défi FT10. on verra ce qu'on peut faire pour le FT10 de sur Garo, ouais. Mais pour le moment, l'heure est au Camille contre un dictateur. Donc une Camille très agressive qui met le dictateur dans le coin et qui fait son pressing efficace et violent. Et un dictateur qui a du mal à revenir et c'est Max 31 qui prend le premier round avec une efficacité exemplaire. Et on est reparti. Un Spinalaro qui va chercher à pousser le dictateur dans le coin. À venir mettre un pressing, le knee press du dictateur qui est là, dictateur qui est agressif, un knee press de hit combo. Et c'est là, ça avance, ça met la Camille dans le coin, ça essaie de parler les airs, mais non, les 3 hit combo de la Camille qui est là, qui met dans le coin, qui chope et qui tue dictateur. Le premier donc pour Max. Dictateur zombie nazi. C'est un peu complètement ça. Un peu la Iron Sky. Donc Ryu en counter pick de Fighters. Donc il va jouer Ryu contre une Camille. Et un dragon qui whiff, dragon, le Ryu qui est là, qui approche, qui a du mal à approcher la Camille, qui est prêt. Et deux de combo sur des lights. Une chope de la Camille qui met Ryu à terre. Et là, tentative de cross-up qui gardait un dragon qui met Camille dans le coin. Boule boule. Et voilà, il mène la Camille dans le coin, il la garde, il va tenter quelque chose. Et non, ne saute pas, il meurt sur un dragon. Heureusement, la glorieuse armée d'Angleterre construit une seule individu. donc c'est reparti. Une Camille qui est là, qui est présente et qui met au sol encore une fois. Un type de cross-up et un dragon dans un start-up d'Hadoken. Et ça finit sur un dragon. Max gagne 2-0 contre Fighter. Les armées. 3-0. C'est même pas 3-0, c'est même plus du FT3 là, on est sur les matchs de. On est sur les matchs de tournoi, donc c'est un tiers normal. Là oui, on est plus en FT3, c'est vraiment c'est en deux matchs gagnants vu qu'on est sur les arbres du tournoi. Et ça bagarre fort. Ça bagarre fort, ça bagarre fort. Et oui oui, mais c'est un quand même sacrément bruit. Et techniquement, si on suit l'histoire, Camille elle est anglaise. Au même titre que merde, le espèce de gros judoka là, du Street Fighter 4, il est français. Parce qu'en fait, il se fait récupérer par les armées de. Par l'armée du pays. Donc Camille s'est fait récupérer par l'armée anglaise. Après l'attaque de Shadaloo, où ils ont découvert, enfin ils ont récupéré, étant donné que c'est une Dolls, ils l'ont récupéré, ils l'ont foutu dans l'armée UK. Et techniquement, elle a pas vraiment de nationalité propre, quoi. Elle a jamais née sur le sol anglais, dans l'histoire. Bon. Ça c'est un pocket background. Background de Street Fighter quand même sacrément complet. Et ça 2X, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que. Non c'est. Derrière toi peut-être. C'est quoi ça? Allez les staffs là, le challenge il est sur la borne. Abel, merci, c'est ça, c'est carrément Abel. Abel il est pas vraiment français, c'est une Dolls également. On le voit parce qu'il a l'espèce de les yeux blancs sur les certaines animations. Balcor, lâche ton match. Kuni Balcork pour cette prochaine, visiblement, ouais, Kuni Balcork. Et Kuni Dragon contre Balcork. Balcork, je crois que c'est écrit comme ça, j'en suis vraiment pas certain. Toutes mes excuses à Balcork si ça ne s'est pas comme ça. J'attends la défaite de Yann contre Easymore là. Et moi donc. Et moi donc. Non, mais il y a moyen qu'ils le prennent. Il y a moyen qu'ils le prennent. Donc Kuni qui va jouer son Ryu et contre Balcork, fameux Feilong parisien. Et ça avance et Balcork qui commence à avancer Reka dans les coins. Il continue un pressing avec une Chicken Wings et Chicken Wings encore. Il ressort et les 3 de combo et la super qui finit par gratter. Un Feilong d'une agressivité et d'une force rarement vu. Et là ça continue, ça boule Kuni qui se prend les Reka en garde. Ça essaie de tenir à distance avec de la boule mais ça a du mal. Belle approche de Reka qui met le Ryu dans le coin, qui essaie de s'en sortir en sautant. Mais non, tu restes dans le coin et tu prends Reka. Et un dragon qui casse un des Reka
Tentative de cross-up pris en garde et un Reka et Reka de loin. Ouais, deux hits combo mis au sol. Un dragon qui ressort le Ryu du coin et super qui essaie de gratter. Belcore qui en garde, qui reprend dragon. Presque un viande d'état pour chacun. Ouais, commencer à la dragon qui met le Feilong au sol. Tu l'as bien écrit, Belcore. Merci, Pocket. Donc là, le Feilong qui a été mis à distance par le Ryu. KF qui attaque, Reka, et ça cherche à distance, et un Shiganwix cassé par un dragon. Fais pas overhead, tu prends dragon dans les dents, et hop là, ça met Feilong dans le coin, ça garde la distance. Ça va plus se rapprocher, dragon sur le saut, quoi. Voilà, c'est dragon, Shiganwix pris en garde, dragon. Ça ressort, Tatsumaki, dragon. Tatsumaki boule. Des Reka qui avancent, voilà, saut arrière qui touche. Premier match pris par Kuni, le Ryu. Sinon, Belcore, tu peux écrire comme ça. Je saurais même pas dire si c'est vrai ou pas. Je sais pas lire le japonais. Aucun. Et c'est reparti pour la ronde. C'est reparti. Reka qui va nous remettre un Ryu. Un Chicken Wings qui est mis en garde. Et le Reka qui presse dans le coin. Il essaie de sortir avec de la boule. Et Dragon qui fait ressortir le Ryu. Il inverse la tendance, c'est Dragon sur Chicken Wings qui touche. Tentative de cross-up qui rate. Et Dragon qui empêche tout mouvement du Belcore. La super du coup qu'il a pris en garde. Saut balayette. Saut cassé par la balayette de Chicken Wings. Et Chicken Wings qui touche. Et River sur la Dragon qui tue le Feilong. Dans le premier round, Akuni. Hop là, ça en va à Tatsumaki. Dragon qui whiff, puni par une balayette, boule. Reka, reboule. Et dragon qui casse. Et ça whiff, hop là, overhead. Répondu par un dragon. Ça continue, ça boule. Ah, ça continue à bouler après un Reka. C'est pas safe, et voilà, la super. Qui tue le Belcore. Un score de 2-0 pour Kuni. Si Belcore gagne, il pourra. Il est con à battre Max, Torrible, Go, Kuni, je prends en toi. On a un Twaké qui prend en tout. Donc là on a Qs contre. Je sais pas. Jigoku. Hey, je suis au pari où, tu vois. Qs. Jigoku. Vas-y, tu vois, hein. Comment t'écris Jigoku? Comment on écrit Jigoku? J-I-J-O-K-U. J-I-J-O-K-U. Voilà. C'est mieux. Donc voilà, ça tue le Ryu parce que Qs ne joue pas Ryu. Il joue moult et moult personnages stylés. Je pense qu'il va jouer un Honda. Il va jouer son Honda. Parce que match-up, du coup, favorable. J'ai du coup, merci toi, Kag, de. Je pense que j'ai du coup. Mais non, pas en japonais, je ne sais plus pour pas le lire. Et voilà, Jigoku avec son Blanca contre Honda de Qs. Et voilà, donc le match-up plutôt favorable à Honda, mais qui prend cher et chope une petite. Ça se met dans le coin. Un Blanca très aérien qui va essayer de chercher avec les sauts petits pieds. Ah, c'est le match-up. Et là, ça cherche. Doskoï de l'autre bout de l'écran. Et voilà. Blanca qui tue. Et là, les sauts petits pieds du Blanca. Les mille mains. Et tentative d'approche peut-être. Voilà, un Doskoï qui va casser l'air. Qui arrive, hop là, au Chonage, très bien fait. Le Kizem, et ah, chop multiple à la relever, fallait pas rester à côté. C'est un match-up, oh, je sais jamais pour qui il est. Il est pour Honda ou. Deathlink est. Ouais, bah. Ouais, c'est ça, il est bien pour Honda. Voilà, Doskoï, il passe partie de la roll, chop multiple. Oula, au Chonage. Il se reprend, c'est chop multiple pour au Chonage, par tout ça. Ouais, ça continue, Jigoku qui est là, qui vend ses chopes multiples dans le coin. Et ah oui, Ochonage, reprise d'avantage. Et oh, deuxième. Et ça tue. Non. Ah là là. Malheureusement. C'était bien dommage. C'était. Ouais.
Ça a beau être. Ça respecte que dalle, il fait des signes obscènes pour l'autre joueur, il aurait dû faire mille mains. Mille mains en multi et paf, ça gratte ce qu'il faut. Ça va, monsieur Maël, bah oui, mais pourtant j'ai aucune réussi à l'avoir. Allez, on reste concentré. Eh oui, l'eau qui se démo de Chenaguer, le tic trop de Chenaguer. Allez, c'est parti, la chope ultite. C'est quasiment les seules armes qu'ont Blanca avec les sauts saut-pieds. Voilà. Là, c'est un pressing quand même assez compliqué. Ouais, Blanca a pas réussi à se sortir du coin et a pris. Oh, il a pris. Et c'est reparti. Allez, c'est une distance à Doskoy qui le met à terre. Toujours Blanca qui essaie un cross-up, chop, hop, et c'est reparti. Mis en coin de Skoy. Ouais, Ochonaga, ouais, chop multi-hit, Durdoy qui ne fera qu'un hit, ce sera suffisant pour tuer. Et on va partir en round 3. Hop là, ok. Allez, Ochonaga, c'est ça toujours. Et normalement, il peut. Ah, c'est dommage, chop multi-hit du Blanca. Ah, ça va être compliqué, espèce de mix-up un peu dégueulasse. Il chope ulti qui va tuer. Non, mais c'était pas fini, il fallait pas lâcher le stick. Oh, c'est presque. Il a lâché le stick avant la fin. Mais la tentative de revenir était harcèlement par le Blanca. C'est un peu triste. Ok, donc on a du coup Clownesque en play de contre qui. C'est qui en face? C'est Easymorn. Easymorn contre Clownesque. Clownesque, c'est un reboot de board. Clownesque avec un C, pas qu'un K. Au début. Contre Easymorn en majuscule, s'il vous plaît. Donc la griffe lyonnaise contre un Old Ryu. C'est parti sur le stage de Ken. J'aime bien ce stage aussi. Sinon on n'a pas de chance pour Clownesque. Ah oui. Mais on a quand même un Clownesque qui est là, qui est présent. Donc il commence à se prendre des Flying Barcelona, c'est un peu dommage. Et là il est dans le coin, mais là Tatsumaki chope. Allez, c'est à distance et malheureusement chope air de la griffe. Et là ça continue et là, c'est dégueulasse. Et on est reparti, boule. Oh, dragon qui casse le jeu en l'air de Clownesque. Tatsumaki qui est cassé. Et encore le dragon, là. Ah, arrête de jouer dans les airs, toi la griffe. Allez, Tatsumaki, ça essaie de dérouper en tous les sens. Ça continue Flying Barcelona sur les relevés. Et dommage. Un dragon, oui. Allez, c'est reparti. Relative. Ils ont vita, oui. Un dragon qui tue la griffe. Je sais pas ce que ça veut dire, toi, que c'est les noms des joueurs, peut-être, oui, mais je n'arrive pas. Je n'ai pas ni le Kanji, ni le truc J, ni le Shintakana, ni quoi que ce soit. Et du coup, une griffe qui reprend l'avantage avec ses Fang Barcelona dans les airs. Les coups dégueulasse qui commence à presser, et hop là, ça fait boum et double touche. C'est pas un avantage. Ah, tentative de Tatsumaki en cross-up, chop. Ça avance. Balorga ça super, Griffe ça super. Voilà, oui, Shop qui remet dans le coin, tentative de pressing et non, coup de griffe à la 0 de vie. Cana quoi? Pas d'incitation à la drogue, s'il vous plaît, monsieur 3-cac. Je sais bien que le cana ça se fume. Et non, nous sommes c'est un stream tout public. Il y a sûrement des enfants qui regardent. Donc merci de respecter l'intégrité physique des gens. Oui, c'est dommage. Il était presque. Il était presque. Il a sa chance. Il peut être là, il peut être présent. Et ah, il l'a mis dans le coin là. Il peut pas. Le pressing, oui, chope. Ah, saut arrière point qui casse les airs de la griffe. Et oui, dragon. Ça aurait été fini encore pire. Il a eu de la chance. Dragon, oui, allez, on l'a fini pas. Et il tue sur une balayette. Et oui, toi, c'est un stream tout public. Je dois garder une certaine éthique. Et le match est reparti. La griffe réussit à mettre dans le coin le Old Ryu qui allait avoir un peu peut-être de mal. Et oui, il y en a qui chope. Et qui boule.
malheureusement qui est puni par les Flying Barcelona. Flying Barcelona qui loupe et c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse. Là c'est sale. Là moi je trouve ça sale. C'est un perso sale. On a 1-0 pour les humains, je remets pas les scores à jour, c'est quand même pas mal. Dès la fin de Clones, et oui. Allez, oui, Dragon sur son Flying Barcelona. Tatsumaki qui touche en cross-up. Et deuxième qui passe pas. Allez, on continue. Oh oui, boum, qui empêche la grippe de dans les airs, qui fait entière pour sortir du coin et qui tue le Ryu, malheureusement, 2-0 pour Easyman. Ah. Allez, bonne chance. W, ouais. Ok, pas de problème. Alors, on a donc en P2. Ah non, Max 31 à gauche et Colux à droite. Ouais. Tac. Go. Nux. Donc ça va être Colux pour Max 31. Donc une Max Trending contre Colux. Donc une Camille contre un Yef. De très bons joueurs. On va faire un petit peu plus d'espace pour Colux. Voilà. Et donc une Kemi avec un pressing très violent sur le Gef qui voilà, ça se cherche, ça se trouve, un Spinal Arrow et ah là là, super qui gratte suffisamment pour mettre le Zangief à terre. Voilà, ça continue, ça cherche. Tac, ça c'est le match-up un peu chiant où les gens ils tapent dans les airs, ça va chercher l'ouverture. Gef qui met à terre. Il ressaute pas dessus. Ah, ça attaque. Voilà, et ça c'est Camille qui est dans le coin. Gief qui en sort du coin, qui fait l'Ariade dans les airs. Le Spinal Arrow qui touche en garde. Et là, Gief qui t'attaque. Tac. Ah, tentative entière de Yuda Camille qui remet Gief dans le coin. Pressing. Et là, Spinal Arrow là, super. Encore une fois, qui tue. Donc tout, voilà, que ce soit pris en garde, que ce soit pris en quoi que ce soit, c'est puissant, c'est violent. Premier de Max 31. C'est bidon que j'ai fait avec Camille. Oui, on le sait, quoique Gef, c'est. Voilà. Et c'est reparti. Hop là, voilà, on est reparti. On a déjà vu ce match là et ça va se chercher encore une fois. Et la chope de Camille qui continue à mettre Gef en coin, le pressing des Spinal Arrow qui vont sortir. Voilà, un Spinal Arrow. Ça continue à attaquer, c'est agressif. Ah là, il sort avec le Lariat, il attaque. Et ah là, il profite de ce dragon raté pour réattaquer, pour être plus agressif le Gef. Ah, il se recule un petit peu, ça va chercher les distances. Ça cherche là, l'ouverture, un Spinal Arrow qui met Gef à terre. Et Camille qui va qui rate ses cross-up, qui tente une super cassée en Lariat. Et Gef qui. Bah, Gef qui est. Ah là, voilà. Comme ça, et ça couche la Camille. Et ou 3-6 dans le coin et hop là un dragon qui refout le Gef à terre. Et, oh là, Camille qui est cassée par le ce coup et un stun. Après un stun, c'est difficile de revenir. 2-0. Ah non, pas encore. Oups. Pas 21. Oups. Voilà. Du coup, round de match pour Max 31 qui recommence à mettre Gef dans le coin et quand on recommence son pressing, double touche qui permet à Gef de ressortir. Sa salariade pourrait être un petit peu safe, mais non, pas suffisamment. Et ah, ça fait chop, ça met à terre le Gef qui se relève en arrière de son reversal et qui prend super à la relevée et qui couche. 2-0 pour Max 31. Une Camille de qualité, une Camille qui était supérieure. Ça pique. Ah, moi. Donc, du coup, je vais jouer. Je vais devoir rendre le micro à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut commenter? Tu commentes comment? Je sais pas. On a besoin de quelqu'un pour commenter. Commenter. Ouais, est-ce qu'il y en a un qui pourrait commenter? Du coup, moi, je vais jouer. Allez, dis-le, 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 dis-le,
ça dépend. C'est allez, c'est parti. Perso, Vidor, Camille contre Monsieur Miam Gail. Allez, c'est parti. Attention le boom. Ce sera dans les yeux. Légère avantage de Monsieur Miam. Donc, on essaie d'avancer, c'est un peu compliqué. Le Gail Purple. Et ça, c'est une flash kick. Bon, bah, c'est parti, deuxième round. Allez. Flash kick, bam. Voilà, ça a fait combo, ça met dans le coin. Presse. Je suis pressé. Sonic Boom. Camille sorti du coin, Sonic Boom. Ouais, ça va être compliqué. Super. Premier match pour Monsieur Miam. Il y a Zanny qui est arrivé, il est invité. Les 4 abonnés, le dernier c'était très bien. Il reste sur sa Camille. Encore très gaffe. Allez, c'est parti. Ok, ça nous donne une déjà avantage de dive. Ça fait des trades. Ok. Les balayettes, super. À travers la boule. Grosse position. Round 2. Voilà. Ça fait dragon flash kick. Allez, on prend l'avant. Ça sort, ça presse. Ça sort du coin. On fait le boom. Ouais, les punitions avec la balayette. Ah, chop. Chop. Ah, bah. On va sa pièce. C'est en flash kick qui est tout le monde derrière. C'est trop piqué. C'est super. Et ça gratte. Pour envoyer W, mais pour Karnoff, mais t'inquiète. Alors on est parti, troisième round, avantage au dive. La Camille essaie de finir en frontière, choc, ça saute, bam, ça presse, gagne la roue, sort, ça va se finir ça, allez. Il sait plus quoi faire, Monsieur Miam est perdu. Mais que se passe-t-il, Monsieur Miam? J'ai mangé pomme d'âme en dessous. Monsieur Miam a pris des dragons de Vigor. Allez, on est reparti. Un partout. Allez. Bam, Sonic Boom. Voilà. Camille, prends le Sonic Boom. Bah, yes. Premier arrow qui touche, cross up, ça met en garde. Voilà, dragon flash kick. Ah, le hooligan qui passe pas. Sonic boom, sonic boom. Voilà, premier arrow qui touche, on met dans le coin, on va peut-être passer. Super, ça tue pas. Non, qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche. Voilà. Allez, deuxième round. Faut pas que Vigor se laisse même gamer par ça. Allez. Oh là là, j'arrive pas à avancer. Pour tuer le Sonic Boom de la terre. Le hooligan qui se fait tenir flash kick, Sonic Boom. Balayette, Canalaro. C'est pas fini, mais. Oh la super dans le vent, Monsieur Miam est un gros sac. Voilà, il se fait choper, et voilà, c'est... Ça lui apprendra à faire des super dans le vent, en pensant qu'il gagne comme ça. Allez, troisième round. Balle de match. Alors. Ça zone. Oh, le HK qui touche à deuxième hit. C'est le boom, c'est le boom. Voilà, ça tente d'avancer, voilà. Ça essaie de mettre dans le coin, c'est pas le maro. Voilà. Quelques gros coups, bam, chop, remet dans le coin, cross up, bim, bim, combo de hit. Voilà, super, qui gratte un peu, et oh là là là, défaite de Monsieur Miam.
à qui je vais... Allez, Blackmail versus Mendes. Allez, c'est bien que tu joues contre W. Ouais, il est en bas. Rebonjour à tous. C'était mauvais ce que je viens de faire. Ok, Easyman reprend. Ah là là, putain, on transpire à la dose. C'est épuisant l'organisation de tournois comme ça. Si vous saviez, mes chers copains, mes chers amis. Putain, mais toi cac, mais t'es tout seul, mon petit toi cac. Oh, Ultra Combo, are you still looking at the game? Allez, c'est parti. Ah, faut m'enlever ce machin là, il sert plus à rien ce machin là. Hop. Allez. Bon, bah voilà, on a fini le premier tour des winners. Donc là, on attaque... qu'est-ce qu'on attaque là, en fait? C'est un Bendes versus Blackmail. Donc un Lyonnais contre un Clermontois. Blackmail avec son Old Zangief de l'infini. Ah, il pousse le Zangief dans le coin et il attend. La patience le fera gagner sans aucun doute. Yeah, you don't speak French, but that's okay. If you want, I can comment in English for a few seconds. So just to say, the two guys playing actually, there is one from Lyon. It's sorry, forgot his name. I just told him. Blackmail. So Blackmail is from Lyon. He will be at Kakarugo in May and April. And against him, it's Bendes. Bendes will also be part of the Kakarugo trip. He will be in Nagoya, in Osaka. He will be everywhere. So that's cool. So you can see what kind of players you are going to play with in Japan. Allez, bonne chop, bien joué. Chop pied. Hein. Il n'y a que en faisant des arnaques comme ça d'agression complètement piffée que tu peux t'en sortir dans un match-up clos aux Zangief quand tu joues Zangief. Oh, there's also Damdai. Welcome on this French streaming from Lyon. I hope you'll enjoy it. I hope you will be part of the XSB at the end of the year. Won't you? Tell me you'll be there. Just tell me. Oh, there's also Camus. There's everybody from Twitter. There's Gwenrock from Nantes. Oh, it's cool to see that, guys. Thank you for joining the stream. Barcelona Loop, Barcelona Loop, encore. Bien joué là, glissade dragon, ça c'est très très bien, c'est une arme très très utile. Bien joué, glissade. Allez, ça gratte, bien, un bon petit point à la fin pour finir. En toute tranquillité. Oh, seriously, Ultra Combo, I'm sad to hear that. Oh, seriously. Allez, Barcelona Loop, infini, encore, encore et encore. Bien joué, devant, derrière, il ne sait plus. Et c'est une victoire de Bendes. La victoire du match-up. Allez, on va envoyer... Qu'est-ce qu'on va envoyer? J'ai fini, Gondo W, il m'a défoncé. Non, il m'a défoncé. Hey, 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 rebonjour à tous. Hello, everybody. Hi, Dandai. Là, en fait, on fait l'ordre. Du coup, est-ce que je commence en français, est-ce que je commence en anglais, plutôt en français, même si c'est Dandai. Désolé, Dandai. Donc, on aura Easymorn contre... Merde. Je ne peux pas changer les noms. Où on a Easymorn contre Donyan cette fois-ci.
Et on est parti donc Easy Morn qui commence, qui attaque, qui met dans le coin, qui stun Donyan et qui super. Ça a été rapide, ça a été violent. C'est puissant. Et round 2. Et c'est reparti, une Hadouken qui whiff. Ça se tient à distance et oui, Dragon dans le. Dans l'attaque de la griffe et qui redragonne, qui met la griffe dans le coin. Et c'est reparti, c'est là. Hop, Flying Barcelona. Ça continue, ça se cherche. Aydra bat gros point pour casser les attaques aériennes de la griffe. Ken qui met à terre. Ken qui après est à terre. Qui a du mal à approcher, qui est remis dans le coin et qui se prend deux hits par Easy Morn, la griffe. Qui a aussi à tuer. C'est ma chance d'entendre une fois, Ken. Donc la griffe continue à attaquer la Ken qui met au sol. Ça y voilà, c'est mis dans le coin, il y a un pressing et un dragon qui fait sortir Ken du coin, qui se prend entière. En juggle, et voilà, Feng Barcelona 3 de combo, et ça suffit. Never wanna wake up before China. It's 4 PM here now, so it's not too early for us. Et hop là, la griffe qui continue à taper, continue à attaquer, et qui remet dans le coin un pressing. Et voilà, qui tue le Ken, 2-0 pour la griffe, 2-0 for the claw. Et Easy Morn check again. Hop. Hop là. Easy Morn is back. He's speaking English with you guys. This guy is very cool. This guy is very cool. Dendai, I saw you were writing a few things. No, what time is it in France? It's 4 p.m. It's already 4 p.m. Ah. Okay, so we have USA in the chat. We have France in the chat. We have UK in the chat. I don't know about Yoga Boy. Why isn't Yoga Boy looking at this streaming? He should be. He's always asking me questions about the streaming we will provide during XSB, and I'm providing the quality that we'll have during XSB, and he's not there. What is he doing, man? Allez, c'est reparti! C'est reparti, alors là on envoie Jigoku, donc Jigoku Blanca contre Bakaobaka Chun-Li. Ah, c'est le duel des Weibo. Jigoku versus Bakaobaka. C'est un duel de Weibo, ils m'en voudront pas. Ah, c'est ce que je vois toi Kak, non mais ces Américains de toute façon. Ils viennent et ils nous ignorent complètement. Ces mecs. Allez, bien joué. Bien joué, Goku. Très solide, c'est bien. Bonne agression. C'est un savant mélange d'agression et de gestion des distances. Bien joué encore. Décalage shop. Allez, un double P. Un café à la dose. Un café à la dose. Un double P. Le double P. Le double P. Oui. Oui. Hey, double perfect. Ah, le pauvre Bakaobaka qui a ramassé un double P. Il y a un 1-0. 1-0 pour toi, c'est ça? Juste après toi? Pardon? On va jouer à Vampire dès que eux ont fini leur match. Ok. Allez, Bakaobaka Jigoku, Banshee Bot Zargat, MC Mike Combo Fate après à venir. Là c'est parti, il est passé en mode Golden Chun-Li, Bakaobaka. Ah,
Ah ouais, c'est crade, hein. De toute façon, Blanca, c'est décalage shop à l'infini. Alors malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas de versus avec...